D'accord. En rentrant dans cette nouvelle là, Luné Balthazar, ces rencontres et Madame Kraf Joudia l'y fait avec plusieurs acteurs politiques, dont ou même comme président PHTK, parti haïtien, tête calée, nous tendez et tout l'autre acteur de l'opposition qui était participé dans rencontre ça, qui dit aucun bête tête avec Madame Kraf, y'a pas pral dans négociation avec Jovenel Moïse, y'a pas chita parler avec Jovenel Moïse, y'a pas partager un pouvoir avec Jovenel Moïse comme président de la République. Mais en vitant de son position Luné Balthazar dans la rencontre là, et qui s'est discuté tout, bon côté pas, ou qui s'est tendé dans la rencontre là? Non. En tout cas, mes gars, posez mon question. J'en parle à là, ou tout dit, qui s'est dit dans la rencontre. Ou quand même, des positions de défendre, mais j'en dis à là, ou bien tant que. Mais fan qu'on s'acte dit dans la rencontre là, fan qu'on s'acte dit dans la rencontre là pour nous poser question, Balthazar. Non, ou quand même, est-ce que ça dit là, c'est ça me détendait tout? Ouais, parce que moi-même, de la rencontre là, je me détendais même à tout le monde. Donc, ça dit à là, je ne t'attendais des mondes. Non. Qui ça me dit? Me dis en pile parole, monsieur Balthazar. Oui. Oui, position pas changé, il n'y a pas de l'élection, il n'y a pas de partage de pouvoir avec Jovenel Moïse. Il n'y a pas de négociation. Non, bon, je ne sais pas si c'est point de vue par Wabay ou bien si c'est sorti en dépassé la rencontre. Là. Et ça fait besoin de bien comprendre nous pour nous répondre. Est-ce que c'est opinion par Wabay ou bien non, ça m'entendait et l'autre acteur qui a participé à la rencontre là. Non, bon, de toute façon, ambiance en tant que là, pas du tout déroulé, j'en dis, hein, c'était. Non, on insistait sur samedi, c'est ça l'autre acteur, on dit. Oui, oui. Vous attendez l'autre acteur, M. Balthazar? Moi, je suis capable de répondre à ce moment-là. Tout simplement, c'est la première chose, c'est que tu gagnes. C'est qu'on rencontre qui t'a gagné des gens de l'opposition qui viennent défendre position, surtout les signataires de l'accord de Mayotte, et des mondes qui pas signé l'accord de Mayotte, là, dont le PHT et Famille Lavalas, qui pas signé l'accord de Mayotte, là, mais qui rejoignent et les signataires de Mayotte sur le départ du président Jovenel sur requête que après parce que moi-même je demandais que le président Jovenel allait avant le terme de son mandat. Donc PHTK défend une position de principe, c'est-à-dire qu'en démocratie, bien deux qu'on seule façon pour un pouvoir, c'est par les élections. Et puis et deuxièmement, ce sont des élus qui remplacent des élus. C'est toujours ça nous connaît dans la démocratie. Et ses positions par nous, et nous exprimer aussi le fait que l'accord de Mayotte, c'est un groupe de l'opposition qui entend son bagage, mais c'est pas la position de l'ensemble des partis politiques, loin de là, à commencer par les partis d'opposition qui n'ont pas fait unanimité sur lui, et nous-mêmes, PHTK et d'autres partis qui alliés du PHTK, et notamment qui représentent près de 80% des élus locaux et nationaux. Dernières élections, donc nous-mêmes nous faisons opposition ça. Voilà, mais ça te dit, et chaque monde a défendu position, exprimer position. Ok, l'opposition défend position par lui, qui est clair, c'est le départ de Jovenel Moïse, pas de question de cohabiter ou bien l'opposition baillon premier ministre, et ou dit PHTK à travers ou même, nous défend position nous avons majorité élue sur le plan national, et c'est nous qui avons président de la République là, donc Jovenel Moïse, pas de parti. Moi, je dis que PHTK et ensemble des partis qui allient PHTK, ils même, pour compte par eux, ils ont présenté 80% des élus nationaux et des élus locaux. Pas de PHTK, non, nous, les autres partis qui allient bien. Donc, nous représentons 80% des élus nationaux et des élus locaux. Donc, c'est nous-mêmes, nous voulons, nous attendre à ce que le système démocratique de la Cour. Ça nous met en Haïti, demander que le mandat des élus soit respecté et que ce sont des élus qui doivent remplacer des élus. Ouais, c'est pas position, pas non seulement, mais quand ça lié aux États-Unis, en France, en République dominicaine, partout où le monde a décidé de vivre dans le système démocratique.
Oui, nous défendons position nous, c'est dans l'élection pour remplacer Jovenel Moïse et tout l'autre élu tout qui gagne là. Oui, pour pas Jovenel Moïse seulement. Oui, c'est ça que me pote. Il y a 5000. Oui, l'ensemble des élus qui gagnent d'abord, c'est dans l'élection. Mais qui ça et nous conclut dans la rencontre là avec le représentant Donald Trump là? Qui ça nous conclut dans la rencontre là? Mais tout le monde d'accord sur la nécessité que qu'on accord inclusif, c'est-à-dire qu'on accord politique inclusif qui joigne à pour cette crise là et qui dit accord inclusif, cet accord doit inclure d'abord les signataires de l'accord de Majorque, deuxièmement les non-signataires, à commencer par le PHTK et ses alliés, et troisièmement aussi le président de la République. Et tout le monde d'accord, même soit le président pour l'aller, pour impliquer là encore, ne serait-ce pour le temps pour le faire mal pour l'aller. Donc ça a discuté dans le compte là bon, non seulement ça a discuté, moins d'où tout le monde séparé sur le principe, tout le monde admet le principe qu'il faut trouver un accord inclusif. Parce que pas aucun groupe politique qui a lui-même l'exclusivité et la capacité de résoudre seul problème, crise qui gagne. Donc, bon, c'est ça me détend dès que tu discutes là. Oui, pas de problème. Donc, à quoi Mariotte là, PHT capable de signer lui, mais blanc mandé nous, faut PHTK. Blanc pas mandé, blanc, non. Et, pas gaffe de blanc mandé. Autour de la table, il y avait des Haïtiens et des gens qui ont l'habitude de se parler. Ils vont nous comprendre que PHTK et opposition institutionnelle et Lavalac, tout le monde, tout Haïtien, tout le monde qui a parlé à tout le monde. Au prime abord, M. Balthazar, ou pas qu'on est, excusez-moi, est-ce que c'est invité pas invité PHTK dans l'accord de Mariotte, mais ou dit dans la rencontre là, tout le monde d'accord pour gagner un accord qui permette qu'un groupe de yo. Oui. Or c'est en présence blanc. Qui est-ce qui fait nous jouer nous en tant que ça? Moi, réponds. Non, non, pas. Qui est-ce qui fait nous jouer en tant que ça? Non, pas pour qu'ils soient ouvrés, qu'ils sont monde qui font nous jouer en tant que ça. La première chose, je vais vous dire. L'accord de Mariotte, c'est réservé exclusivement à des gens qui demandent le départ de Jovenel. Et vous devez savoir que tout le monde qui signait l'accord de Mariotte, là, ils ont seul bail entre nous, c'est que tout demandait le départ anticipé et avant le terme de son mandat du président Jovenel Moïse. Donc, le pays n'a rien à voir avec l'on paraît Alpagain pour la signer un accord avec des gens qui ont même dit faut que le président partit avant le terme de son mandat. Donc, c'était un accord qui réservait exclusivement à une catégorie de l'opposition qui demande le départ de Jovenel. OK, oui. Donc, dans la rencontre là, nous entendons l'opposition et PHTK. Donc, pour nous, elle fait qui ça? Les gens qui étaient sur la table ont reconnu qu'il y a nécessité pour sortir le pays de ce pays-là, il faut qu'on ait un accord politique qui est inclusif. Qui ne permettait aucun monde qui dit accord inclusif et qui dit accord inclusif, ça veut dire que un, c'est toute force politique, y compris les forces politiques qui signent l'accord Mariotte là, forces politiques qui pas signent dans le PHTK et d'autres partis politiques qui pas signent, et troisièmement je dis, il faut inclure le président de la République, parce que le président de la République est aussi un acteur. Est-ce que accord Mariotte là que tu mettais quelque partie de yo, ou bien qui pas signé li, est-ce qu'elle tombait après rencontre ça? Non, il pas d'accord qui tombait. L'accord de Mariotte est debout pour ceux qui l'ont signé, parce qu'il exprime la position de ceux qui ont signé cet accord. Et cette position, les gens n'ont pas demandé monde qui signe accord Mariotte là et renier position yo. Il demande le départ anticipé de Jovenel Moïse comme président de la République. Yo bien raison demander. Mais nous mêmes tout qui pas demandé là, nous bien raison pour nous demander. Donc c'est peut-être ça qu'il faut un accord politique inclusif. C'est parce que des monde qui a demandé pour aller, des d'autres monde qui a demandé pour pas aller. Ou d'accord à babouim. Pardon? Ou d'accord, ou mettez nous confusion, puisque. Nous pas mettre au long de ce accord, tu mets ton goût parti, tendez. Vous voulez quoi que. Non, mais gars. Oui, Valestin, attendez. L'accord de Mariotte, c'est une proposition de parti politique de l'opposition. Oui. Kounia, si on voulait quoi que l'accord de Mariotte, c'est engager toute la classe politique, mais dit c'est faux. Oui. Il n'est pas engagé. Donc, il y a d'autres forces politiques qui ne reconnaissent pas l'accord Mariotte là.
Et c'est haïtien, c'est acteur politique, c'est peut-être ça qui dit qu'il faut un accord inclusif. Oui, mais l'accord de Margotte a l'avantage que l'y cristalliser, l'y mettait en forme la position d'une série de groupes de l'opposition qui était éparse, qu'on a eu réuni autour d'une même position. Mais c'est une proposition liée, l'y pas parmi d'autres, l'y pas la proposition. Et moun pas obligé de courber devant l'accord de Margotte. Okay. Parce que c'est pas tout le monde dans le pays qui reconnaît tout dans l'accord de Margotte. C'est système. C'est-à-dire, dans la démocratie, il faut s'accepter différent. Je ne pas demander au monde pour d'accord avec moi, mais il faut accepter que je ne suis pas d'accord avec moi. Alors, Noé Blanc, avant de quitter le pays, il dit qu'il souhaitait acteur yo avec président Jovenel Moïse, yo rive mette différence yo de côté pour joindre on souvle, par contre, yon entente cap bon pour pays à côté, li pap exclu et ken moun, et c'est presque même ça, wap dia, et Liné Baltazar, comment ça pral fait puisque l'entende position en face là? Non, vous l'entendez. Bon, monsieur Valestin, encore une fois, c'est ou bien à faire démocratie ou bien à fond l'autre bagaille qui va démocratie. Parce qu'en démocratie, par définition, c'est la négociation permanente, c'est le dialogue permanent, c'est la résolution pacifique des conflits. Donc, si on dit que c'est démocrate et vous dites que pas chita ou pas parler, c'est pas vrai. Pas démocrate, c'est l'autre bagaille. C'est deux choses d'une. C'est ou bien quelqu'un a la capacité d'imposer ses points de vue par la force. OK. Auquel cas, il rentre, il fait révolution, il prend pouvoir, en parler, il fait s'enlever, auquel pas besoin de négociation. Mais si ou pas qu'à imposer son vle par la force, nous sommes obligés de rentrer en négociation. Et moun pas, ou pas sortir la négociation, même j'en t'ai rentré. Donc, il y a des sacrifices à faire de part et d'autre. C'est ça, nous t'ai dit après, il y a entre nous. Okay. Tout le monde reconnaît la nécessité de faire des sacrifices de part et d'autre. Tout le monde d'accord sur ça. C'est sous balle ça. Oui, c'est sous balle ça. Non, mais c'est ça ici, nous, bon, nous habitués, chita, nous habitués, donc c'est, mais la seule chose, c'est si nous habitués chita de façon informelle, nous formaliser chita nous, hein, de manière à ce que nous joignons un accord et qui inclusif et surtout qui durable, qui permette de nous résoudre de façon durable crise politique que nous avons traversée. Pas gain, l'autre bagaille. Okay. Non, pas gain, l'autre bagaille, moi, c'est ça, me détendait. Moi, dis ça, moi, détendait. D'accord. Mais c'est grand mounou, pas qu'à faire mentir. C'est grand mounou, pas qu'à faire mentir. Pardon? C'est grand mounou, pas qu'à faire mentir. Non, moi, dis ça, moi, détendait que, un, les gens de l'opposition, les gens de l'opposition, ils ont qu'un des positions, nous-mêmes, tout qui va d'accord avec eux, nous, qu'un des positions, nous. Mais nous tous, il y a une nécessité pour que nous joignions un accord inclusif. Qui dit inclusif, ça dit tout le monde la donne. Ok, ok. Mais qui devra maison Blanc Baye nous là, l'opposition et pouvoir? Non, Blanc Baye, mon aucun devoir maison. Blanc, c'est Blanc Baye. Il n'y a pas aucun monde Blanc Baye devoir de maison. C'est nous-mêmes, entre haïtiens, qui reconnaissons la nécessité de trouver un accord inclusif. C'est nous pour le mettre tête, nous pour le mettre, prendre les dispositions qu'il faut pour jouer un accord inclusif, ça. Mais Blanc pas ben un délai pour nous jouer un accord, ça. Bon, chaque fois on dit Blanc, donc pas gain délai. Moi, pas pour rentrer dans la dynamique, vous me dites c'est Blanc qui a fait ceci, ça. Non, c'est parce que le pays a, dans l'intervalle, il est bloqué, M. Baltazar, il n'a pas fonctionné là-dedans. Oui, bien, c'est nous tous qui vivons là-dedans qui reconnaissent que le bloqué, que la fait du tort, pays local fait nous autant de mal que, presque autant de mal que l'embargo ou bien le tremblement de terre de 2010. Mais c'est peut-être ça que, c'est ça qui fait que nous-mêmes, qui te chita bo tabla, nous reconnaissons la nécessité de nous parler et de nous entendre. Ok. Eh bien, nous allons finir, M. Baltazar, puisque vous dites, acteurs, nous d'accord, pour nous aller chita parler, pour nous jouer un accord, côté personne pas dehors, si haïtien, haïtien, son accord, côté tout le monde a en dedans, pour nous jouer une solution à la crise qui vient là. Où t'es fait partie de la commission, président de la République, la lui-même, t'es créé. Par la suite, où t'as pas le vin démissionner, où on doit aller répondre, où on doit aller répondre, mais pour quelle raison t'es démissionné? C'est nous quatre qui t'es démissionné. Ouais, oui, comme ça, vous m'a parlé.
Ah ben nous t'es démissionné nous tous les quatre parce que nous t'es senti que le travail de rapprochement que nous avons fait c'est venu handicapé et des difficultés pour avancer et c'est pour ça nous t'es démissionné et les démissionnés n'ont pas dit que nous changer d'opinion, nous changer d'avis sur la nécessité de faire le dialogue. C'est tout simplement outils ça n'a pas approprié encore à nature crise là que vient prend et l'aide des démissionnaires. Outils qui était cette entité créée par pour moi cette commission de négociation qui va t'approprier. Et nous disons que entre-temps nous fait beaucoup plus de nous fait beaucoup plus d'avancées significatives sans la présence de cette commission et que l'aide est là. Donc ouais, c'est pas ça n'enlève rien à la nécessité et de trouver un accord et à notre engagement profond pour nous joindre au accord entre Haïtiens et pour nous résoudre la crise. Qui s'est avancé, oui? Par le fait que nous continuons à parler entre nous et nous commençons à arriver à la conclusion unanime qu'il faut trouver un accord inclusif entre nous. Merci beaucoup, M. Baltazar. Merci, M. Valestin, et merci à tout auditeur à Diomega et de boucanter la parole. Merci. Okay? Voilà. Merci et à la prochaine. Merci. Fois. Voilà. D'accord. On rentre dans cette nouvelle-là, Luné Baltazar. Ces rencontres, et Madame Kraft, je vous dis, l'y fait avec plusieurs acteurs politiques, dont vous-même, comme président, PHTK, parti haïtien, tête calée, nous tendez, et tout l'autre acteur de l'opposition qui était participé dans la rencontre ça, qui dit, aucun bête tête avec Madame Kraft, y'a pas pral dans négociation avec Jovenel Moïse, y'a pas chita parler avec Jovenel Moïse, y'a pas partage un pouvoir avec Jovenel Moïse comme président de la République. Mais en vite en son position Luné Baltazar dans rencontre là et qui ça t'a discuté tout bon côté pas ou qui sont tendé dans rencontre là non en tout cas méga pour poser mon question parce que j'en parler à là ou tout dit qui ça t'a dit la rencontre non ou comment des position de défendre mais j'en dit à là ou mais fan qu'on s'acte dit dans rencontre là fan qu'on s'acte dit dans rencontre là pour nous poser question Baltazar non au cas mandé est-ce que ça dit là c'est ça me détendé tout ouais parce que moi-même de la rencontre là me détendé même à tout le monde donc pas ça dit à là me pâté tendé tendé des mondes non qui ça me dit en pile parole monsieur Baltazar oui oui, position pas changé, y'a pas pour aller à l'élection, y'a pas partager le pouvoir avec Jovenel Moïse. Y'a pas dans négociation. Non, bon, on ne sait pas si c'est point de vue par Wabay ou bien si c'est sorti en dépassé la rencontre là. Et ça fait besoin de bien comprendre pour nous répondre. Est-ce que c'est opinion par Wabay? Non, ça m'entendait et l'autre acteur qui participe dans la rencontre là. Non, bon, de toute façon, ambiance en contre-là n'a pas du tout déroulé, j'en dis. Hein, non, on insistait sur samedi. C'est ça l'autre acteur aussi. Oui. Vous attendez l'autre acteur, M. Baltazar? Moi, attendez. Plutôt, à ce moment-là, ma réponse. Ok. Dis-so, M. Baltazar. Dis-so, vous l'avez dit. Comment rencontre-là t'est déroulé? Tout simplement, c'est la première chose, c'est que t'es gain. C'est ton rencontre qui t'es gain des gens de l'opposition qui viennent défendre position, surtout les signataires de l'accord de Mayotte et des mondes qui pas signé l'accord de Mayotte là, dont le PHT et Famille Lavalas qui pas signé l'accord de Mayotte là, mais qui rejoignent et